déclaré dans les procédures home h, la valeur h à 0 et puis la valeur f à 0. Voilà, c'est les deux variables qui vont nous permettre à vérifier notre boucle. Voilà, j'ai instancié ça comme ça avec if. Donc, je mets h égale h1 plus h égale h plus 1. Et en plus, je mets if h égale cette zone-là, nombre d'hommes. Nous sommes là. Je déclare d'abord l'incrémentation h égale h plus 1. Le h qui est égal à 0 là. Et puis le h qui est là, à ce niveau-là. Voilà, le h qui est déclaré là. Je viens, j'ai l'instance ici. Je lui donne 0. Et puis, là, je l'incrémente. Je demande si h égale au nombre des hommes majeurs. Là, on ferme le groupe parce que ça, c'est un groupe. Et puis, du côté femme, la même chose. F, on instancie F est à 0. Et puis, on demande si le nombre F est égal au nombre de femmes saisies ici. On quitte le groupe. C'est tout ce qu'il fallait faire juste pour cette boucle-là. Là, vous pouvez ajouter, si vous avez autant de catégories, des choses que vous voulez que ça revienne. Et puis, vous nommez là, mélange, vous exécutez. Là, je me lance, je mets 0, 0, 1. Nombre des hommes majeurs, je mets 3. Femmes majeures, je mets 2. Je suis dans la zone des hommes, j'écris poli. Je mets 0, 1. Pour Lolo, je mets 0, 2. Là, c'est quel boulot qu'il a 0, 2. Quel boulot qu'il a 0, 4. Je suis déjà dans la zone des femmes. 0, 1. 0, 2. Vous voyez comment on peut faire la répétition de plusieurs choses. Moi, j'aime faire la répétition comme ça au lieu de faire les levels. Parce qu'avec ça, vous pouvez faire plusieurs choses et vous pouvez manager comme vous voulez. Donc, vous pouvez arranger vos histoires comme vous voulez. Changer de couleur. Par exemple, là, je mets au centre pour que ça soit un peu bien. Moi, ça me gêne là. Vous voyez comme ici, ça y est. Donc, je mets carrément au centre pour que ça ne me gêne plus. Voilà, il faut aussi exploiter cette boîte-là. Elle est aussi importante. Voilà. Et on n'a pas fini. On a juste fait quelque chose de peu de ce qu'on devait faire. La plus grande partie, c'est celui-là. Il fallait que si, en saisissant, on arrive ici. Et à partir d'ici, qu'on ramène les données qui se trouvent dans l'autre application. Voilà. C'est ce que... À très bientôt.